Bonjour et bienvenue dans cette vidéo découverte de Trackmania Turbo. Alors oui, c'est un peu tard pour découvrir ce jeu, mais pourquoi pas? Alors découvrir ou non, puisque j'avais déjà commencé il y a très longtemps, j'avais fait 5 courses, et il m'est impossible de supprimer la sauvegarde dans le jeu, dans le Xbox, dans le cloud. J'ai beau tout faire pour la supprimer, ça ne marche pas. Donc tant pis, je vais recommencer les courses comme si de rien n'était, peu importe. Allez, c'est parti. Alors, accélérer, freiner, ok. Ou alors, avec les boutons, non, ça ira. Direction, direction avec la croix. Ouh, ça doit être dégueulasse. Ouh, ça doit être dégueulasse. Mon Dieu. Donc, j'avais beaucoup joué à Trackmania, le tout premier sur PC, mais il y a des années, des années, des années. Je crois que celui-là m'avait moyennement plu. C'est pour ça que j'y ai pas beaucoup joué. On va voir. On va voir, hein. Bon, pourquoi pas, on peut s'amuser. Hein. Record personnel, or, argent. Ben, l'or. D'accord. Oula, je sais pas comment j'ai fait pour prendre ce virage aussi bien. La conduite est assez spéciale. Ouh la vache! Ah oui, c'est... Ah oui, c'est Trackmania Turbo, oui. D'accord. D'accord, oui, c'est Trackmania Turbo, on est d'accord. Ah merde, j'ai du boost. Eh, mais fallait le dire avant. Ah oui! Ah, mais c'est pour ça qu'il m'avait déplu! Waouh! Ah tiens, j'ai gagné un point, d'accord. 15G, d'accord. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression de tirer le frein à main alors que c'était un... Ah, je peux appuyer B pour recommencer, ok. Il n'y a pas de temps de chargement, hein, comme certains jeux. Bon, c'est compliqué, je trouve, hein. Oh là 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 là. Ouh, c'est joli ça. Mais jusqu'où va-t-il s'arrêter? C'est la conduite, elle est hyper particulière. Elle est extrêmement sensible. Il faut être extrêmement précis. Visiblement, on perd le contrôle très facilement. D'accord, je crois que je me rappelle pourquoi je n'avais pas tellement aimé. Je comprends pas tellement ce qui se passe. Je comprends pas tellement. J'ai réussi à relancer le turbo, mais j'ai l'impression qu'il faut appuyer et pas maintenir. Je crois que c'est moi là-devant. J'ai réussi à faire un temps de la mort, mais c'est incroyable. Il n'y a pas de turbo, c'est quand je roule là-dessus qu'il y a un turbo. Trace de frein, 10G, d'accord, je gagne des succès. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis un peu perdu. Je m'attendais pas à ça de Trackmania. Je sais que c'est Trackmania Turbo, mais quand même. Je comprends pourquoi je l'ai pas aimé maintenant. Je comprends. Le fait que ce soit fond comme ça tout le temps, il y a pas, y a de la technique quand même pour réussir à prendre les virages correctement, mais. Mais c'est... Bah j'ai réussi à me battre, ok. Mais c'est spécial. C'est très 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 spécial. Oh la vache!
Ah, je suis mais déçu à un point là, c'est. Je m'attendais pas à ça en fait. C'est un mélange de Burnout et de Trials presque, c'est le mélange, il est costaud, hein. Puis alors la police d'écriture, là j'ai la même sous Windows. Hein. Waouh. Recommencer, non, oui, recommencer. Ouais, non, mais c'est hyper spécial. D'ailleurs, je dois faire plusieurs tours ou pas? J'ai pas trop compris. Ok, je commence à comprendre un peu le gameplay, d'accord. Il suffit de donner un coup de frein et ça part en drift, hein. D'accord, ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais pas du tout. Trackmania, c'était pas ça. Tu augmentais tranquillement en classe de voiture, je crois. Et c'était plus de la technique que du turbo et du drift, quoi. Et le fait qu'il fallait pas drifter, justement, c'était ça que j'aimais, moi. Fallait vraiment prendre des virages parfaits. Mais j'arrive quand même à me battre. Bon, c'est pas que j'avais fait des très très bons scores, je pense, mais j'arrive à me battre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Waouh, c'est pas forcément déplaisant, il faut vraiment le cerner, le jeu. Et il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, entre guillemets. C'est pas du tout ce que je m'attendais, moi. Je m'attendais à de la technique. Il y en a. Mais c'est pas de la technique pure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitesse qui compte. Vitesse, drift, etc. Oh la vache. Bon, c'est toujours aussi barré, hein, les circuits. Il n'y a pas de doute. Encore un succès? Et donc. Quoi, sérieux, c'est tout? D'accord. Monde. France, Bourgogne, Côte d'Or. Je suis que le 144e sur... Ah, il y en a quand même qui jouent. Hein. D'accord. C'est cool, ça, de pouvoir te mesurer à d'autres personnes. De voir combien t'es dans ta région, dans ton pays, dans le monde. Ouais, c'est drift et boost. Hein. C'est du burn-out. C'est pas ce que j'attendais d'un Trackmania. C'est peut-être pour ça qu'il a pas forcément beaucoup plu. Je ne sais pas, il me semble qu'il a pas tellement marché. Et merde. Je ne sais pas où je vais. Je vois qu'il y a un drift là-bas au fond. Oh! Qu'est-ce qui s'appelle un plat?
Ah, j'ai été mauvais, j'ai été mauvais. Ah merde. Bon, ma déception diminue un peu parce que je commence à comprendre le gameplay et à comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Ça reste sympa. Je suis pas forcément très client, mais ça reste sympa. Wow, ok. Je me suis éclaté. 82e. Ok. Ok. On va continuer, on va peut-être faire les 10 premières, histoire de faire un petit peu le tour de ce que peut proposer le jeu, même si j'ai l'impression qu'il y a plusieurs catégories de voitures et je crois qu'on peut pas toutes les voir d'un coup. C'est un peu gênant, ça. C'est un peu gênant de ne jamais varier. Je sais pas ce qu'il propose d'autre, le jeu. D'accord, ok. D'accord, c'est un vrai ovale là. Multitour, j'ai cru comprendre, il y a 3 tours, ouais, d'accord. Ok. D'accord, la médaille d'or évite les tremplins, ok. J'ai pas réussi à tourner, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas réussi à tourner. What the fuck? C'est très particulier, hein. Ok, je le rattrape un petit peu. Je le rattrape beaucoup. Je le double. Non, mais touche pas le mur, bâtard. C'est pas croyable, ça. Oh, fais chier, hein. C'est bizarre, il est devenu bien lent, je trouve, la médaille d'or, là. Alors, si c'est moi devant, j'arriverai pas à me battre, à mon avis. Putain, mais tourne! Oh là là, mais la conduite, elle est chelou, c'est qu'elle est pas précise. Elle a pas l'air précise, la conduite. On dirait qu'il faut que je force pour qu'elle tourne. Sachant qu'on est dans un jeu arcade, il y a des limites. Je suis premier dès le premier tour, pas mal. Bon, c'est pas insurmontable comme gameplay. Après, est-ce que c'est plaisant, c'est autre chose. Je me suis un petit peu foiré. Mais j'ai assuré, je me suis pas mangé de mur.
passe. Ça passe. Oh là là. Ouais, c'est un peu bizarre la conduite là. 66e de ma région. D'accord. D'accord, on est à la piste 5. Allez, on va essayer de faire les 10 premières pour essayer de voir un petit peu plus de choses. Surtout que celles-là, je ne les ai jamais faites. Collez-vous le nez à l'action avec la vue cockpit. Oui, bien sûr, bien sûr. T'as raison, oui. Alors, celles-là, je ne les ai jamais faites, donc on peut pas dire que hein, j'ai joué au jeu. Je sais pas du tout, ça se voit, ce qu'il faut faire. Bon, je vais essayer de faire un premier tour, histoire de voir, pour cerner. Super, dans le trou de balle. Hop là. Ouais, il faut un peu plus de vitesse que ça, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, mais moi, je vois des tremplins, j'y vais, moi. Ah ouais, non, mais moi, je vois des tremplins, j'y vais. Attends. Donc là, j'ai drifté. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. J'ai perdu le contrôle et j'ai perdu du temps, peut-être, quoique. Hop là, ça passe, ça. Déjà, ça, ça passe. On ne voit absolument pas où il faut aller. C'est dommage, j'avais gagné. C'est dommage. Bon. Les drifts élargissent vachement les virages. Oula. Exceptionnel. Oui, bah je l'avais déjà. Enfin, je l'avais pas déjà, c'est pour ça. C'est que pour une fois, j'avais pas encore la médaille d'or. 35e de ma région. Oula là. Oula là. Allez, suivant. C'est dommage que je puisse pas essayer les autres types de bagnoles là, parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5. Oh la vache, ça tourne dur. Hein. Je ne sais pas où il faut aller, je ne sais pas où il faut aller. Ça passe! Ouh la vache! Du pif absolu! Du pif absolu! 55e de la région avec un premier tour, c'est pas mal? C'est pas mal. Ouais, je sais pas s'il y a un mode arcade, ouais. Allez, on essaie de faire les 10 premières, puis peut-être de tester un truc de chaque, on va voir vite fait. On va voir. J'ai pas l'impression qu'on puisse essayer les pistes des autres personnes. On peut en créer, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse les essayer, celles des autres, c'est bizarre. Ça m'étonne quand même. Ah, c'est un mur. D'où le fait que j'ai peut-être un peu trop braqué. Oh. Ah d'accord. Ah d'accord. Est-ce que j'étais pas un peu trop rapide? J'ai l'impression d'avoir trop décollé. Peut-être que j'allais un peu vite. Ça m'a l'air un peu mieux. Oh, par contre je me prends la bosse dans la tronche. Ah ouais, lui il était un peu meilleur. D'accord, vous avez mis des trous là. Ok. Ok. Tenter or. Mais évidemment, tenter l'or. Qu'est-ce que tu crois? On est là pour les ors.
Oh, ça passouille. C'est dégueulasse, mais ça passe. Écoute, si ça passe, hein. Merde, je voulais voir combien j'étais. J'avais pas envie d'attendre votre scoring à la con, là. Puis je peux pas voir, évidemment. Allez, piste suivante. Tant pis. Ah bah oui, je sais, j'imagine. Mais là, là, je me promène. Bon, après, c'est le premier championnat. Hein. J'imagine que c'est fait pour te donner la confiance et... Et tu déchantes très vite. Hein. Ah, au revoir. Oh la vache. Je sais pas s'il faut freiner ou quoi. Wouah, d'accord, ok. Ah, j'ai relâché l'accélérateur, j'ai même pas freiné, mais alors il m'a éclaté. Direct. Oh non, c'était bon, je le rattrapais, je suis vert. Ah, je suis vert, vous avez déroulé une nouvelle piste, oui, c'est cool. Vas-y, envoie le... Voilà, tenté or, allez, dépêche-toi. C'était un peu haut. C'était un peu haut et du coup il a repris de l'avance. Oh oui! Oh oui! Comment il est nul dans le virage! Oh comment il était nul dans ce virage! Allez, je regarde combien je suis là. 249e. Bon, en même temps, j'ai pas fait un truc génial là. Allez, la dernière piste du truc et puis après on va voir si on peut tenter autre chose. Il y a même le vert aussi, si tu fais le tour parfait. Ah oui, au-dessus, il manque une ligne, là. Bon, je pense que si t'adhères au jeu, tu dois t'éclater et un long moment, hein. Sachant qu'il y a tout un éditeur de pistes, tout ça. Oula, j'ai pris du retard, mais je t'avais rattrapé. Tant pis, on va regarder ce que c'est. Ah, c'est tout? Non, c'est pas tout. Ah, il y a plusieurs tours. Oui, d'accord, il y a plusieurs tours, ok. Chier, j'ai bouffé le mur. Eh oui, mais faut drifter. Faut drifter. Pourquoi tu driftes pas, couillon? Ça irait tout de suite mieux si tu driftais. Je suis un peu loupé, mais tant pis, je suis premier, pas pour longtemps, visiblement. Si, ça va, je le double. Je pense qu'il y a largement moyen de l'avoir, l'or. Oh là là, le drift. Oh là là, il était énorme, celui-là. Je pensais pas que j'arriverais à le tenir.
Allez, allez, allez. Et voilà. Ça passe à l'aise. D'accord. Et j'ai un succès, cadeau. Allez, 15G, canyon blanc terminé. Terminé toutes les cartes blanches. Médaille indifférente. Est-ce qu'il y a une médaille pour avoir tout eu en or? Du nouveau contenu dans votre garage. Ok, c'est cool. Revenir au choix de piste. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué cela. Alors, c'est ça, les différentes catégories. Lagoon, Stadium, Grand Drift. Non. C'est pas le nom de la voiture, ça. Donc, on a un garage où on peut modifier les peintures des bagnoles. Je crois qu'il y en a 4. Hein. On voit les 4 là. Plus vous aurez la classe, plus vous aurez la gagne. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est que la peinture qu'on change? Le temps de chargement est un poil long. Custom Legendary Paintwork. D'accord, ok. Et du coup, vu que j'ai modifié... Oh non, tu me refais pas un temps de chargement de 10 minutes? Ah, c'est en faisant un très bon tour, il y a une médaille verte. D'accord. Donc, il y a 4 voitures, j'ai cru voir. Hein. Une, deux, une espèce de Formule 1, 3, un buggy de course. Un autre buggy de course, ouais, je sais pas trop quelle différence elles ont. Je vois pas de mode arcade. Je vois pas de mode arcade, donc j'imagine qu'il y a que la campagne. Campagne double driver, ça c'est pour jouer à deux avec un seul véhicule mais deux pilotes. Défis mondiaux. Aucun défi ajouté. D'accord. Oh, il y a tellement de contenu online entre guillemets. Créer et partager votre propre piste. Eh, mais si tu la partages, c'est forcément que tu peux en télécharger. Créer vos pistes, gérer. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où on peut en avoir. C'est une bonne question. On va tester une ou deux courses de l'autre mode. Enfin, de l'autre, c'est à mon avis, on change de voiture là. Et on change carrément d'environnement. On va tester une ou deux courses là-dedans et puis on arrêtera la découverte là. Ça fera 45 minutes à peu près. Je sais pas, on dirait ouais qu'il n'y en a pas. Alors peut-être que ça a été supprimé parce que les serveurs ont fermé, mais ça n'a pas l'air. Non, bah non, les serveurs n'ont pas fermé, il y a encore tout. Il y a encore tous les scoring, donc j'imagine que non. Bon. C'est pas bien grave, je pense pas avoir envie de faire de vieux jeux sur ce jeu de voiture. C'est pas trop mon style, le drift à mort, même si y a un petit côté sympa de s'appliquer à prendre les virages, mais... Donc on a changé de voiture, on a l'espèce de Beetle Buggy. D'accord, on a l'air d'avoir beaucoup plus de... Bon, on va faire un petit tour pour voir. On a l'air d'avoir... Oula! Ah oui! Il y a beaucoup moins de vitesse. Par contre, il y a beaucoup plus de boss et de technicité, j'ai l'impression. Ok. Ok. On va retenter ça. On va retenter ça. Ça a l'air faisable quand même. Oh là là, ah, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas, je me suis pas fait doubler. Parce que j'étais très nul et je pensais que drifter c'était comme l'autre. Mais là, il faut beaucoup moins drifter en fait. C'est pas du tout une voiture qui drifte comme l'autre. Ah, par contre, elle ne tourne pas, d'accord. Ok. Bon, c'est pas très très compliqué. J'ai pas fait un très bon truc, mais j'ai l'or.
173e. D'accord. Allez, une petite dernière. Et puis on arrêtera là. Ça peut être sympa. Si on aime vraiment, je pense qu'il y a moyen que ce soit très sympa. D'accord, on se demande qui est à l'envers, l'hélicoptère ou les voitures. C'est, ouais, je comprends pas où est-ce qu'on peut trouver les pistes créées, parce qu'à mon avis, il y a moyen de tomber sur des gros malades du développement. Des gros sadiques. Je ne vois rien. Ou alors je peux me mettre en vue intérieure, mais alors... faut s'accrocher, hein. On ne peut strictement rien anticiper, là, c'est... D'accord, il a quand même l'air d'avoir drifté, le mec, hein. Allez, tentez l'or, évidemment. Mais j'arrive pas à comprendre en fait ce qu'il fait pour aller aussi vite. Si je drift, ça va pas. Si je freine, ça a pas l'air d'aller. Oh, j'ai failli te manger. Oh, j'ai failli te manger. Par contre, vous êtes chiant avec votre tableau de score. Laissez-moi faire des essais. Et si je vous demande le tableau de score, vous me l'affichez, mais... Par contre, je suis tout le temps attiré par ce mur de merde. Visiblement, j'aime les murs. Pour aller me les manger comme ça à chaque fois. Mais c'est incroyable, c'est qu'elle tourne pas. Si je drift, mais c'est, elle s'arrête sur place. Je comprends pas bien comment elle tourne cette caisse. Autant avec l'autre, j'arrivais à comprendre le gameplay qu'il fallait vraiment envoyer dans le pâté et tout. C'était des pistes assez larges. Là, c'est pas large du tout. Oui, bien sûr, je touche le mur, évidemment. Ah, par contre, si je suis à l'extérieur, j'ai l'impression que je peux mieux prendre le virage. Il y a peut-être ça qui joue aussi. On va voir ça, on va essayer de prendre l'extérieur. Eh ouais, ça passe beaucoup mieux. Ouf, j'ai failli paumer. J'ai failli paumer, je suis allé taper dans le truc là et j'ai failli me manger un mur. Ok. Ok, 28e. Ouh, je suis 28e de ma région. 28e de ma région, non mais oh. Qui c'est qui veut venir jouer avec moi là? Non mais... Bon. Ok. Ok, donc je vois qu'il y a 190 médailles au total. J'en ai 12. Ouais, c'est ça. Ça compte les médailles donc d'argent et autres. D'accord. Et pour jouer donc sur les pistes, débloquer des pistes, etc. Non, je ne sais vraiment pas comment jouer sur des pistes inventées. Hein. Compétition communautaire. Chercher de nouvelles quoi? Compétition communautaire, d'accord. Track Builder, créer vos propres pistes. Créer et partager vos pistes. Modifier et partager vos pistes en ligne. Je ne peux pas aller en chercher. Je vois pas de bouton à appuyer. C'est un peu curieux, ça c'est dommage. Alors à moins que j'ai pas de compte. Peut-être que si j'ai pas de compte, ça pose souci. Pour défier vos amis. Personnaliser votre voiture et votre bande son. Je ne sais pas.
Bon, bah écoutez, on arrête la vidéo là-dessus. Bah oui, partager les pistes, mais si personne peut y accéder, je comprends pas trop. Donc, je ne sais pas. Je vois que là, ça s'affiche. C'est bizarre, c'est que ça affichait les circuits là. Ça affichait Trax à gauche, j'ai vu. Je sais pas, peut-être que les PC c'est différent. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Écoutez, on va arrêter la vidéo là-dessus. Ça fait 45 minutes, c'est déjà assez large. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous connaissez beaucoup mieux le jeu que moi, pauvre néophyte. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine. Salut!